LinkedIn, comment ça marche? Et ouais, ça fait des semaines ou des mois que je fais des vidéos sur LinkedIn et finalement, comment ça marche LinkedIn? Comment en fait on arrive à trouver des leads pour le B2B, ou c'est-à-dire trouver des clients sur LinkedIn? Comment ça marche? Ben, c'est ce que j'ai envie de reprendre les bases avec vous du fonctionnement de LinkedIn lorsque vous essayez de prospecter et de trouver des clients. Pour ça, déjà, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer la première chose, c'est il faut déjà configurer son profil pour que vous puissiez prospecter, parce qu'il y a des petits réglages à faire qui sont importants. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous rappeler quelques petites fonctionnalités de base qui font que ce que vous faites fonctionne et ce que vous faites ne fonctionne pas sur LinkedIn lorsque vous essayez de trouver des clients. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis expert et coach en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à créer des dispositifs d'acquisition de clients autonomes leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter dans le froid, mais prospecter de façon générale. Juste avant, je vous partage mon profil et je vous montre ce qu'il faut faire pour avoir une efficacité sur LinkedIn. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vais vous partager 16 ans d'expérience en marketing digital et en prospection digitale et on va tout voir ensemble. On va voir comment faire un blog qui fonctionne, donc de l'inbound marketing, comment faire une chaîne YouTube qui fonctionne, comment faire de la publicité, comment mettre en place des tunnels de vente, faire des landing pages qui convertissent, mettre en place des lignes magnétiques, etc., etc. On va voir tout ça ensemble parce que cette chaîne YouTube, c'est vraiment, j'ai envie de vous donner toute mon expertise, toutes mes connaissances en marketing digital. Et vu que ça fait 16 ans que je le fais et que je le fais avec la direction de plusieurs cabinets de conseil, j'ai généré des millions d'euros sur Internet grâce à toutes ces méthodes et je vais vous les partager gratuitement sur cette chaîne YouTube. Donc là, je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble déjà une petite chose. Il y a quelques petits réglages à faire sur votre profil si vous cherchez à prospecter. Alors moi, je suis en ce moment sur un abonnement premium. La plupart du temps, je n'ai pas de premium. Simplement, je vais vous faire une vidéo sur Sales Navigator sur cette chaîne YouTube. Et donc, du coup, j'avais besoin de prendre un abonnement Sales Navigator pour vous le remontrer. Et finalement, je me rends compte que c'est bien sympa, Sales Navigator, que c'est très très puissant. C'est encore plus puissant que le pro. Déjà, avec la méthodologie que j'avais, j'arrivais à générer beaucoup de business avec LinkedIn, et là avec ces navigateurs c'est de la folie. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Simplement là, déjà vous allez cliquer en haut ici et vous allez dans préférences et confidentialité, et en fait il y a des petits éléments qu'il faut régler qui sont importants. La première, c'est la visibilité de vos relations, et en fait donc qui voit vos relations. Et moi, je pendant très longtemps j'étais bloqué sur vous uniquement. Vous voyez, ça enregistre automatiquement. Le problème de vous uniquement, c'est-à-dire que mes contacts ne peuvent pas voir mes relations, mais du coup, ils ne peuvent pas me recommander à quelqu'un. Ils ne peuvent pas me mettre en relation avec quelqu'un, puisqu'ils ne voient pas mes relations. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, je vous conseille, si vous faites de la prospection, d'ouvrir vos relations. De la même façon, il y a une petite chose que vous pouvez mettre en place, c'est les personnes qui ont consulté ce profil ont également consulté, et vous pouvez mettre sur oui ou non. Vous savez, c'est cette colonne. Je ne sais pas si ça va fonctionner si je trouve quelqu'un. Je vais taper un nom au hasard. Et est-ce que Kevin, ici, voilà, les membres ont aussi vu, et vous voyez que là, du coup, je vois d'autres personnes. Et du coup, je vois probablement quelques-uns des... soit je vois des personnes de son entreprise, mais je vois aussi peut-être, éventuellement, des concurrents. Donc ça peut être intéressant dans certains cas de mettre non à cette visibilité. Bon, moi je le mets oui. Après, vous pouvez choisir si les gens voient ou pas votre nom de famille. Mettez oui, ça sert à rien de mettre Florian P. Et est-ce que vous voulez que votre profil soit visible en dehors de LinkedIn, c'est-à-dire la personne n'a pas de compte, est-ce que vous voulez que elle puisse voir votre profil? Bon, laissez oui, puisque ça va vous aider à référencer votre profil sur LinkedIn, etc., etc. Et je me souviens qu'il y a une... Je la retrouve pas, là. Il y a une option qui est importante à mettre. Voilà, c'est ça, option des vues de profil. Faites bien attention, votre profil, si vous prospectez, et surtout si vous utilisez la méthode que je vous donne sur LinkedIn, pour trouver des clients, que vous soyez bien avec votre nom et votre titre de profil dans l'option des vues de profil. C'est-à-dire quand les gens voient que vous avez vu votre profil, mettez bien ça et mettez pas utilisateur LinkedIn anonyme, etc. Parce que sinon, ça sert pas du tout que vous regardiez ma méthodologie.
sur LinkedIn. Alors justement, quelle est la logique de LinkedIn? La LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. C'est-à-dire que c'est une sorte de barbecue géant où tous les gens viennent discuter et donc où on peut parler de business pour une fois, donc c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qui se passe sur LinkedIn? Eh bien, vous avez des gens qui postent du contenu, d'autres personnes qui ont des réactions ici et qui commentent. Sur LinkedIn, plus vous avez de commentaires dans les 48 heures de votre pote, de votre post, plus vous avez de potentiel de monde qui va voir votre post, puisque LinkedIn va le mettre dans plus de fils d'actualité. Donc une fois qu'on a compris ça, comment on va pouvoir prospecter sur LinkedIn? Bah, tout simplement, on va se dire, tiens, je vais regarder des sujets clés, par exemple là, le social selling, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, et en cliquant ici, je vais pouvoir m'intéresser aux personnes qui sont intéressées par le sujet. Et lorsque j'ai quelqu'un qui est intéressé par le sujet mais qui ne fait pas partie de mon réseau, par exemple, là, Edith ne fait pas partie de mon réseau, eh ben, je vais pouvoir commencer à engager, à montrer mon intérêt pour cette chère Edith. Et donc, comment je peux faire? Eh ben, tout simplement en voyant l'activité de Edith. Qu'est-ce qu'elle a fait, Edith, ces derniers jours? Eh ben, tout simplement, Edith, elle a... Elle a aimé, elle a répondu aux commentaires de Sophie. Hop là, reviens vers moi quand tu as un moment pour le mentoring. Et alors là, bon, là pour le coup, ça serait pas logique que moi je commente, mais vous pourriez dire, bah tiens, je prends le temps, vu que Edith m'intéresse et que potentiellement ça pourrait être un client. Désolé, Edith, là, ça, si vous regardez cette vidéo, c'est un exemple. Je vais pouvoir écrire une réponse en dessous de son commentaire. Et donc, me faire repérer par Edith, parce que je vais faire ça 3-4 fois dans la semaine, et puis à un moment donné, je vais aller sur le profil d'Edith, et je vais lui proposer de se connecter. Et là, je vais ajouter une note, je vais dire, bon, Edith, de cette semaine, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs de vos commentaires que j'ai trouvé très pertinents, et j'aurais aimé que vous fassiez partie de mon réseau. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est un outil extrêmement puissant, LinkedIn, parce que vous allez pouvoir identifier des profils, des leads potentiels, et vous allez pouvoir interagir avec eux et vous faire découvrir par cette personne-là sans que ça soit extrêmement intrusif. En plus, on a un super moteur de recherche. Donc, si je mets social selling ici, et par exemple, je mets un en majuscule et je mets coach, tape entrée, et ben là je vais avoir tous les coachs en social selling, voilà, qui peuvent m'intéresser si je vendais quelque chose pour les coachs en social selling. Et donc je fais la même chose, je vais sur Jean-Luc, et qu'est-ce que Jean-Luc a fait cette semaine? Pas grand chose. Si, il y a 5 heures, il a aimé le commentaire de quelqu'un d'autre, il a posté. Donc là par exemple, je peux liker. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, dans ces notifications, Jean-Luc va recevoir un message qui dit que Florian, c'est pour ça que c'est important d'avoir une photo qui est bien reconnaissable, a aimé votre publication. Et donc, il y a probablement, à un moment donné, il va venir voir mon profil et j'aurai plus d'intérêt à me connecter avec lui. Une fois qu'on est connecté avec des prospects potentiels, des leads potentiels, et bien tout simplement, tout va se passer ici. Il va falloir que vous trouviez une méthode pour pouvoir commencer à engager une conversation. Si on revient sur l'idée du barbecue, j'ai une autre vidéo où je vous explique la technique du barbecue. C'est si vous avez une conversation de type barbecue, c'est-à-dire en cherchant des sujets intéressants sans parler obligatoirement de son business et sans faire votre pitch commercial, vous allez créer un lien social avec la personne, et d'ici 2 ou 3 conversations, vous pourrez commencer à évoquer votre spécialité et vos produits. Vous pourrez essayer de l'avoir au téléphone. Alors, je vous conseille de passer le plus rapidement possible au téléphone, parce que c'est vraiment le téléphone. Cherchez mon téléphone. C'est vraiment mon téléphone votre téléphone aussi, qui va vous permettre de vendre. Mais voilà, vous avez à peu près compris la démarche. Alors, si vous cherchez du travail sur LinkedIn, j'imagine, c'est pas ma spécialité, mais que la démarche est relativement la même, il va falloir simplement vous faire repérer, inviter les gens et leur poser des questions sur le post en question. C'est sûr que si vous avez un post qui vous intéresse sur LinkedIn,
plutôt que de postuler à froid, commencer par regarder les gens qui sont dans cette entreprise, repérer la personne qui recrute, commencer à interagir avec elle et dites-lui, j'ai remarqué que vous aviez un poste qui m'intéressait, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on l'évoque et qu'on en parle ensemble? Et la dernière chose qui est très 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 importante sur LinkedIn, là encore, j'ai fait des vidéos spécifiques sur comment avoir un profil idéal, je vais vous le mettre juste au-dessus, mais vous avez votre profil qui doit être optimisé pour que les personnes qui viennent voir votre profil une fois qu'ils vous ont repéré viennent comprennent ce que vous faites et aient envie d'interagir avec vous. Voilà comment ça marche LinkedIn. Finalement, comment ça marche LinkedIn? Et bien, c'est le paradis pour les commerciaux puisque vous avez la possibilité de trouver des leads, interagir avec eux, créer du lien, qu'ils vous identifient comme un expert et vous pouvez convertir, enfin en tout cas passer rapidement à accélérer le temps où ils ne vous connaissent pas du tout au téléphone, ça peut se faire en 1 ou 2 jours. Et en plus, ils ont confiance en vous. Si vous avez les bonnes méthodes, vraiment, 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 vous pouvez exploser sur LinkedIn. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la question de LinkedIn, comment ça marche pour les commerciaux et pour trouver des clients sur Internet. Vous avez la philosophie globale de la méthodologie. Donc encore une fois, je vous réinvite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin et améliorer vos performances, je vous ai fait un petit guide gratuit sur la prospection, comment trouver des clients sur LinkedIn, comment libérer la puissance de LinkedIn, que vous pouvez télécharger juste en bas de cette vidéo. Une petite landing page pour récupérer votre guide. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à demain. Ah bah à très vite, mais à demain. J'ai fait le raccourci à très bien. Bonne journée.